Salut tout le monde, c'est Machiavel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu Medal of Honor Airborne. Et oui, un ancien jeu. Alors c'était les soldes sur Steam il y a quelques temps. Et j'en ai profité pour acheter le jeu pour vraiment pas cher. Je ne l'ai jamais fait. Et donc on va se lancer ensemble pour la première mission. Enfin pour la campagne tout simplement. C'est parti, bon visionnage à tous. Sauter d'un avion, à condition de faire ça bien et dans les règles. Quand la lumière passe au vert, vous sautez. Suivez le gars qui est devant vous, ne vous arrêtez pas, ne pensez à rien. Go, 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 go! Le câble fixe déploie votre parachute automatiquement. Le parachute est conçu pour descendre à la verticale. Ça n'a rien à voir avec le fait de sauter d'une tour. Si vous filez sur un os, vous pouvez tirer sur les suspentes et éviter les obstacles. Dirigez-vous sur une clairière et cherchez la fumée verte. Pourquoi on cherche la fumée verte? Parce que c'est la bonne procédure. Go, 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 go! Les bleus et les civils pour foirer l'empesé. Vous êtes pas un bleu, pas vrai? Grâce aux fusées éclairantes, vous surveillez la zone. Et vous évitez de vous faire mal. Si vous filez sur un danger, modifiez votre trajectoire et essayez de vous poser en douceur. Vous serez plus vite prêt au combat. Vous m'entendez? Go! 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 L'enveloppement vertical, messieurs. La mort tombée du ciel. J'en connais qui pensent que votre expérience dans ce nouveau type de combat se soldera ni plus ni moins par un échec. Ils ne vous connaissent pas. Moi, oui. Je suis persuadé que la fin de la tyrannie fasciste, quand son heure viendra, sera le fait de l'aéroportée. Ne me décevez pas. Bon bah, moi, j'ai pas du tout réussi à... Ah, c'était sur la plateforme. Mais bon. Voilà pour l'entraînement. Travers. Travers. Votre attention, messieurs. Silence. Notre mission nous conduit ici, en Sicile, dans le village d'Adanti. D'après le S2, 4 postes de tir antiaérien y ont été installés. Le premier se trouve à l'ouest, dans un secteur qu'on appelle les Coteaux. Le deuxième se situe juste après la porte nord-est qui permet de quitter le village. Les deux derniers sont solidement défendus. Ils se trouvent sur le toit de la mairie, où l'ennemi a récemment installé son PC. Voici notre dernier repérage sur la zone de saut. Les repères rouges signalent les secteurs à forte présence ennemie. À moins que vous ne comptiez gagner cette guerre tout seul, je vous conseille de les éviter et de vous diriger vers les balises vertes. Nous partons dans 2 heures. Rompez. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? On est au-dessus
même à Garante, je préfère le fusil. C'est parti, on va localiser ces postes de tir. Bien nous tirailler. Alors, voici le premier canon, on va le neutraliser. On passe au suivant. Encore trois canons à dézinguer. C'est parti. Je suis prêt. Bon, désolé si c'est pas fluide. C'est la première fois que je joue, donc les touches, faut le temps de s'habituer. Bon, en tout cas, pour un ancien jeu, franchement, il m'impressionne. Les graphismes sont pas mal. Là, ça doit être la mairie. Restez à couvert et baissez la tête. Voilà le traverse. Pas de bêtises. Restez à couvert et baissez la tête. Restez à couvert. Joli la coupe. Couvert. Je vous couvre. Qui est-ce que vous m'avez dit?
reposant. Néo pista de l'ordre. Baissez la tête. Très bien, j'avance. Entrez. Soldats italiens, comme vous pouvez le voir. Ça c'est bon, ça les ralentit comme ça. Amélioration. Bon, pas trop fan des améliorations parce que bon, en réalité c'était pas possible. Mais bon. Je crois qu'il faut que je retourne en haut quand même. Merci camarade. On récupère des munitions et je pense que c'est bon, on va pouvoir détruire les DCA. C'est bon, foutu boulot. Plus de deux. Et on se dirige donc vers le dernier canon de DCA. Voilà celui à l'entrée là-bas de la ville. En tout cas, les graphismes sont vraiment pas mal, bonne ambiance du jeu. Étant un fan de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement les divisions aéroportées, si vous avez vu la série Frères d'armes,
tout cas, je vous la conseille. On va nettoyer tout ça la grenade. De monde. Ça fait vraiment des bons effets les ralentis. J'aime vraiment bien les effets comme ça. Uccidete l'americano! Continuate a combattere! Des fois il faut plusieurs balles.
La dernière charge. Voilà. Hey, Pierce, dites au commandant de la zone. Chef, le sergent Setzer demande des renforts, ça urge. La vache, on risque pas de se marcher dessus. Ok, vous et traverse, allez-y, j'attends là. Je peux pas le voir, ce Setzer, de toute façon. Viens, Travers! Il faut sécuriser le reste de la ville! À toutes les unités captant cette transmission, l'une de nos sections est coincée sous le feu ennemi au nord-ouest d'Adenpi. Tous les hommes qui entendent ce message ont ordre de gagner cette zone et de soutenir nos troupes! Ah ouais, mais tu veux pas reculer, tu veux pas que t'es devant, mec. Comme si le mec il reste devant la MG, quoi. Bon alors, du renfort où est-ce qu'ils veulent? Se battre. Faites gaffe. Nous devons retrouver nos tireurs d'élite. Bon, les effets sont vraiment pas mal, hein, on s'y croit dedans. Yeah!
J'aime bien ce fusil. Éloignez-vous de la fenêtre! Il y a un franc-tireur de l'autre côté! Il a eu Harding! Et il croit qu'il m'a eu aussi! Et il a demandé des renforts par radio! Tu vas devoir t'y coller! Prends le Springfield de Harding! La barbe! Il s'en est sorti! Les Allemands appliquent! Ils veulent reprendre ce patelin! Vite! Unité ennemie reste sur la défensive dans les faubourgs d'Adanti. Le SE nous signale la présence possible d'un chef de régiment. Toutes les unités ont ordre d'engager le combat avec ses troupes et comme objectif de tuer ou de capturer cet officier. La lunette. Bien joué, Travers. Maintenant, retourne au centre du village. Bon, je préfère garder la Thompson pour les combats rapprochés. Blindés ennemis venant du nord. Toutes les unités ont ordre de se replier sur la place du village et de fournir un appui. Je suis obligé de garder le Colt. Ouais, ciao camarade. Courez ! Allez ! Tout ce monde. Là ça va être chaud. Mais ah c'est pour toi. Ils sont dans la mairie. J'y vais. Coupez-moi. MP40, pas le choix. Oh.
une pièce après l'autre. Je veux voir ce bâtiment propre comme un sous-neuf. Ah oh ouais, c'est un officier. J'ai fait l'imbécile. Où est-ce qu'on reprend donc? À l'attaque de la mairie. Bon bah désolé, c'est reparti pour un tour.
forces aéroportées dans et à proximité d'Adanti. Des paras viennent en renfort. Tenez votre position jusqu'à leur arrivée. Je répète, tenez votre position. Oh bah enfin, désolé. Commandant en chef, voici le compte rendu de fin de mission de la 82e aéroportée. Désolé d'avoir été mort un moment. En date du 11 juillet 1943. Atterrissage à 22h30 sous un feu nourri. Nos paras ont détruit les postes de tir anti-aérien ennemi dans et autour d'Adanti. Le village et ses environs ont été repris. L'ennemi se replie actuellement vers le nord. Cette opération, premier saut de combat de notre unité, a été décisive. Mais douloureuse. La guerre a commencé. Espérons qu'elle finira vite. Bon voilà, je vous laisse sur ça. Je vous dis à la prochaine. On va regarder vite fait les stats. Voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Salut tout le monde.